la vie de Christ dans un homme. Produira les œuvres de Christ, le Saint-Esprit dans un homme. Produira un chrétien, jamais pas. Quand Dieu veut parler au lys, il prend ma bouche. Autre, car chaque semence. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et nous croyons que vous êtes tous dans la joie. Nous sommes tous venus soutenir le pasteur Féli. C'est un grand événement. Et nous sommes dans la joie de nous retrouver dans la maison du Seigneur. Amen. Est-ce que vous voulez bien acclamer pour... Amen.
bénisse tous les enfants de Dieu qui sont venus. Il bénisse tous les serviteurs de Dieu que je vois. Même les membres de différentes églises. Lubumbashi et des environs. Que Dieu vous bénisse très richement. Amen. Amen. Alors, avant d'ouvrir la Sainte Bible, nous allons nous lever pour un mot de prière. Nous prions. Dieu notre Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, Dieu Bien-Aimé, Seigneur Jésus-Christ, nous bénissons grandement ton Saint-Nom Père pour cette occasion que tu nous as accordée, ô Dieu, de nous retrouver ce jour dans ce tabernacle, mur de lamentation tabernacle. Amen. Nous sommes venus ici, Seigneur Jésus, à l'occasion du mariage de ton serviteur, ô Père Tout-Puissant, le pasteur Philippe. Seigneur Jésus, ô Dieu, à cette occasion, ton serviteur a voulu que nous puissions apporter un message évangélique. Amen. Seigneur, comme nous sommes en train de rechercher la dernière brebis, parce que tu ne viendras pas prendre ton épouse tant que la dernière brebis ne sera pas encore entrée. Nous ne savons pas où elle se retrouve, Seigneur. Peut-être c'est ici, peut-être c'est à Fungurume, ou c'est dans n'importe quel continent, Seigneur. Mais tu avais dit, par la bouche de ton serviteur, le prophète Branham, que tu connais toutes tes brebis. Il n'y aura pas une seule de moins, ni même pas une seule de plus. C'est pourquoi, Seigneur, nous sommes sur la ligne du devoir, ô Dieu. Nous sommes venus apporter ta parole dans cette contrée. Amen. C'est toi, ô Dieu, qui connaissais bien avant la fondation du monde, Seigneur. Tu connaissais bien ce jour. Tu savais que nous serions ici, que nous allions y apporter la parole. Et c'est toi qui as appelé tous tes enfants en ce lieu, Seigneur. S'il se trouve une âme, ô Dieu, qui n'a pas encore choisi Christ, le Seigneur Jésus-Christ, comme son Seigneur et Sauveur personnel, qu'aujourd'hui ce soit, ô Dieu, son occasion, Seigneur. Que ce soit son jour, ô Dieu. Maintenant que nous voulons ouvrir les saintes écritures, Seigneur Jésus, nous ne sommes que des humains. Nous sommes indignes. Personne n'est digne. Car au ciel, ô Dieu, quand la voix, ô Dieu Tout-Puissant, s'est fait entendre, alors qu'on cherchait celui qui était digne, qui pouvait prendre le livre qui était dans la main du propriétaire originel. Amen. On avait demandé qui était dit. Il viendra pour nous comme la pluie. Ça va venir voir. Comme la pluie du printemps. Ça va venir voir, m'a dit. Qui arrose la terre. Que ferai-je? Éphraïm. Oui, Éphraïm. Que ferai-je? Judas. Oui, Judas. Votre piété est comme la nuée du matin. Comme la rosée qui bientôt se dissipe. C'est pourquoi je les frapperai par les prophètes, je les tuerai par les paroles de ma bouche, et mes jugements éclateront comme la lumière, car j'aime la miséricorde et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Ils ont comme les autres hommes transgressé l'alliance. C'est alors qu'ils m'ont été infidèles. Galad est une ville de malfaiteurs. Galad ni inti ya waovu. Elle porte des traces de sang. La troupe des sacrificateurs est comme une bande en embuscade. Commettant des assassinats sur le chemin de Sichem. Car il se livre au crime. Dans la maison d'Israël, j'ai vu des choses horribles. Là, Éphraïm se prostitue. Israël, c'est sûr. À toi aussi, Judas, une moisson est préparée. Quand je ramènerai les captifs de mon peuple. Amen. Amen. Prenons maintenant Malachie, chapitre 4. Malachie, sur la Kéine. Lise. Tout connaissant. Cinquième et sixième verset. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Angalieni, nitamitumia Élie nabi.
Avant que le jour de l'Éternel arrive, kabla siku ya milele kutimia, ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, atarudisha mioyo ya wababa kwa watoto, et le cœur des enfants à leurs pères, na mioyo ya wababa, ya watoto kwa baba, et peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Kwa sababu nisipike inchi kwa laana. Enfin, Luc 17, mwishayo, Luka 17, du vers 6e au 30e verset. Kwanzia mstari wa 26 hadi 30. On lise. Tuko na somo. Ce qui arriva du temps de Noé, il fika kama wakati ya Noa, arrivera de même au jour du fils de l'homme. Itafika vile vile mukusiku ya kuonekanika kwa mwanamtu. Les hommes mangeaient. Bato walikuwa nakuria. Buvaient. Walikuwa nakunywa. Se mariaient. Walikuwa naoa. Mariaient leurs enfants. Walikuwa naoesha watoto yao. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Paka na ile siku Noa aliingia msafina. Le déluge vint. Ndio mvua ikafika. Et les fils tous périrent. Na ikapoteza wote. Ce qui arriva du temps de Lot. Ile ilifika wakati ya Lota. Arrivera pareillement. Itafika tena vile vile. Les hommes mangeaient. Bato walikuwa nakuria. Buvaient. Walikuwa nakunywa. Achetaient. Walikuwa nauza. Vendaient. Walikuwa nauzisha. Plantaient. Walikuwa na panda, walikuwa na jenga. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, lakini le siku Lot atoka msodome, il plut de feu et de soufre, ndio mvua ya moto na na pepo, tomba du ciel, ikaanguka kutokea mbinguni, et tous périrent, na ikaunguza wote. Il en sera de même le jour où le fils de l'homme paraîtra. Itakuwa vile vile mumasiku ile mwana mtu ataonekanika. Le Seigneur Jésus Christ bénisse sa parole. Bwana Yesu abariki neno lake. Veuillez vous asseoir. Mwikaleni ko. J'ai pris un message du prophète. Nachukua ujumbe ya nabii. Message que l'a bien intitulé reconnaître votre jour et son message. Ujumbe ile alipanga ya kwamba kujua siku kuna ishi na ujumbe yayo. Amen. Amen. C'est très important. Ni lazima kabisa. De reconnaître dans quel jour vous vivez. Kuyua sema kuna ishi mwakati kani. Et quel est le message que Dieu a envoyé dans ces jours-là? Na ni ujumbe kani Mungu anatuma mwile siku. C'est très important. Ni lazima kabisa. Amen. Amen. Bien-aimés frères et sœurs. Wapendwa wa ndugu na wadada. Nous sommes tous conscients. Chibote benye kuyua. Tout le monde le voit. Kila mtu ako naona. Tout le monde le constate. Kila mtu ako naangalia. Nous sommes au temps de la fin. Comme wakati ya mwisho. Nous vivons dans les derniers jours. Tuko naishi mumashiku ya mwisho. Ce monde est arrivé à sa fin. Hii dunia inafika kumwisho yayo. Ce monde sera bientôt détruit. Hii dunia masiku si masiku itachomewa. Si vous suivez les informations. Mukifuata tu mahabari. Vous allez constater. Mwe benye mutayua. Que le monde est en ébullition. Il y a des guerres. Des bruits de guerre. Des terroristes là-bas. Qui terrorisent les gens. Qui ne font que tuer les gens. Il y a des calamités naturelles. Des tremblements de terre. Des inondations. Il y a l'immoralité. La sodomie sur la terre. Sodoma qui copa dunia. Les gens sont devenus comme des fous. Bantu banakuwa sama majimu. Parce que vous savez d'après la parole de Dieu. Yuwa, kuningani na Mungu. Que la sagesse de l'homme. Ya kwa makiri ya mtu. Est une folie pour Dieu. Inekalaka majimu kumbele ya Mungu. Et la sagesse de Dieu. Na akima ya Mungu. C'est une folie aussi pour l'homme. Inekalaka na tena majimu kumbele ya Mungu. Aujourd'hui les hommes sont devenus comme des fous. Leo bantu banakuwa sama na majimu. Amen. 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 Aujourd'hui, Léoui, si vous suivez les informations, l'homme Muntu a perverti les choses. Anageuza bintu bya Mungu. Dieu a créé l'homme. Mungu aliumbaka mtu. Il a créé d'abord l'homme à son image. Aliumbaka bele mtu mpicha lake. Ensuite, kisha, il a formé cet homme. Dieu a kaunga ule mtu. Il l'a mis dans la poussière, dans un corps. Akamweka sasa mumwili. L'homme qui était créé, ou le monde Mungu à l'image de Dieu, c'est un homme spirituel. Alikuwa kabi mtu wa kiro. Mais l'homme qui l'avait formé, sasa ule mtu wa poussière de la terre, kutokea kwa mavumbi ya udongo, c'est un homme charnel avec un corps. Mtu wa mwili na nyama hii. Alors il prit l'homme qui était spirituel, sasa akabeba ule mtu wa kiro. Dans l'homme charnel. Vous, vous n'êtes pas celui que je vois. Vous êtes dans celui que je vois. Ce corps que vous avez là, c'est comme un costume. Mais vous, vous êtes là. Les jours que vous allez sortir de ce corps, c'est, on va appeler ça le cadavre. Amen. Amen, amen, amen. Amen.
Amen. Amen. Et maintenant, ça, ça. Le diable a perverti les choses. Les hommes sont devenus comme des fous. Quand Dieu a créé cet homme, il a formé l'homme de la poussière de la terre. Il a trouvé que ce n'était pas bon. Dieu a cassé ma haine. Dieu a eu mon tocoy. Il fallait lui donner. Il a poussé le papier. Pour ça, il dit semblable. Amen. Amen. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Ça, ça m'a fait un Il a pris cet homme-là. Il l'a endormi. Il a pris une de ses côtes. Il a réformé la chair. Amen. C'est Dieu qui est le premier chirurgien. Amen. 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 Et quand l'homme s'est réveillé, il a vu un être. Alors il s'est écrié. Voici. Cette foi. Celle qui est os de mes os. Chair de ma chair. Appellera femme. Parce qu'elle a été prise de l'homme. La femme est sortie de l'homme. La femme est sous produit de l'homme. La femme est une aide. L'homme. Amen. Amen. Alors pour Dieu, ça, ça, pour Dieu le Créateur, le mariage Jowa concerne il a pas l'homme et la femme qui était sortie de son côté. Mais voyez maintenant la folie des hommes. Ça, ça m'a dit, mais maintenant disent qu'un homme peut prendre un autre homme pour qu'il vive comme mari et fils. Deux hommes. Ils disent qu'ils sont mariés. Dans le pays développé, des gens viennent comme vous voyez votre pasteur et son épouse. Vous voyez deux hommes là-bas. Qu'on puisse nous marier. Ah, c'est la folie. Je n'imagine pas. C'est une folie. Je n'imagine pas. Il y a même des femmes qui ne veulent plus des hommes. Elles sont à deux là-bas. Alors, on va se marier aussi. Et le gouvernement. Ça, ça n'a les gens qui ont dit, on va même voter la loi. Ils ont accepté ça. Ils ont dit, c'est leur liberté. Il faut les laisser. C'est quoi ça? Mini, la sodomie. Amen. Nous devons reconnaître notre jour et notre message. Tu n'as pas choisi de dire que Amen. Amen. Dieu a toujours envoyé un message. Un message d'avertissement. Quand les gens tombent dans le péché, abandonnent la voie de Dieu, abandonnent la loi de Dieu, qu'est-ce que Dieu fait? Je les fais périr. Je les détruis. Amen. C'est comme ça qu'il en était au temps de Noé. Amen. Les gens avaient, s'étaient multipliés sur la surface de la terre. Il y avait beaucoup de gens sur la terre. Alors des fils de Dieu ont aimé les filles des hommes. La semence de Dieu est allée chercher les filles des hommes. Et vous savez que Caïn n'était pas un enfant d'Adam. Caïn, c'est le fils du diable. Le fils du serpent. Le fils du serpent. Sa descendance, na uzawake, ce sont ceux-là qu'on appelle les fils des hommes. Amen. 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 Alors, comme il y avait de la méchanceté sur la surface de la terre, Dieu dit, il s'est repenti, il dit, non, je vais détruire l'homme. Ça, vous pouvez le lire dans la Bible. Dans Genèse chapitre 6, nous lisons rapidement. Comme c'est un message évangélique. Amen. Suivez. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Ils apprirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors, le message que nous avons reçu aujourd'hui, ça, c'est un message qui consiste à révéler tous les mystères. Le message du septième ange, c'est
sont les sceaux qui ont été révélés. Ni miuri yenye inafunuliwa. Les sceaux ont été brisés. Miuri ilifunuliwa. Les tonnerres ont été révélés. Hata mingurumo ilifunuliwa. C'est cela le message. Njo ujumbe ile. Tous les mystères qui étaient cachés. Masiri yote ilikuwa yenye kufichwa. Sont aujourd'hui révélés. Leo hii tuko nasema isha kufunuliwa. Amen. 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 Dans la lumière de ce message. Ça, ça mon nom là, nous disons la Bible. Quand on sort la Bible, les prophètes de cet âge nous disent. Nabi ouais, qu'ils ont entendu à Isaïe. Que quand on dit que les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Wakati manasema watoto wa Mungu waliona wabinti watoto wa watu wanakuwa wazuri. Et les ont pris pour femme. Na kuwachukua kama wake wao. Il dit que ce n'était pas des mariages. Anasema ikuku yake ndoa. C'était des unions. Aba kwanza kwa wana walikuwa ndio na kala bawabala. Par quoi les calabouabala? Et Dieu n'était pas content. Amen. 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 Dieu honore les mariages. Dieu aime le mariage. Amen. Amen. C'est lui qui a institué le mariage. Wa kwanza. Et dans cet âge, il viendra aussi prendre une épouse. Lui, il est un époux. C'est l'époux céleste. Wa il va prendre son épouse. Wake. Son épouse est une épouse multiple. Ni bibi arusi. Ce n'est pas un homme qui est un épouse. Ce sont les croyants. C'est une multitude de gens. Il viendra prendre. Il va l'enlever. Il va l'amener au souper des noces au ciel. Mais avant de l'amener au souper des noces, avant les agapes de tout à l'heure, la réception de tout à l'heure, il faut qu'il y ait d'abord la cérémonie de mariage. Et la cérémonie de mariage, c'est quand Dieu qui est entré dans votre cœur le baptême du Saint-Esprit et le marié à Christ. Christ, on voit un homme peut-être qui n'a pas de souliers mais qui a en lui la vie éternelle, qui a le Saint-Esprit, qui est marié à Christ. La divinité est en lui. Dans cet âge, ce message est un message de restauration. Je restaure son temps. Il restaure ses enfants. Il nous emmène dans notre position. Nous avions. Nous étions en Dieu. Amen. Amen. Comme nous ici. Comme le pasteur, sable le pasteur, comme celui qui est à l'honneur, sable bien de votre chimie. Il n'a pas bon. Ah, il n'y a pas de bâton. Il a des enfants. Vous, vous êtes ses enfants spirituels. Parce que vous êtes sur ses brebis. Et il aura aussi des enfants. Des unions avec sa femme. Il aura des enfants. Mais pour le moment, ses enfants sont dans lui. Ce sont des semences en lui. Ils ne sont pas encore manifestés. Amen. Nous avons des enfants. Amen. Quand nous étions aussi jeunes, nous avions des enfants. Amen. Maintenant ils sont manifestés. C'est comme ça aussi. John Villetena. Nous étions en Dieu. Et il nous a manifesté. Nous sommes ses fils et ses filles. Il était le père. Le fils était le père. Chaque fils qui l'a mutoto est la manifestation des attributs de son père. Si notre père est Dieu, comme papa est du monde, nous sommes des dieux. Aujourd'hui, Dieu a restitué à la audition l'homme, à la audition sa divinité, à la audition de mon monde. Ce pauvre malheureux fait une déclaration forte. Aujourd'hui, la divinité de Dieu. La divinité. Aide sur la terre. Ce n'est plus nous qui vivons. Nous avons été crucifiés. Mais c'est Christ qui vit en nous. C'est la même. Le
esperança da glória. Se Cristo é tão fundo, Cristo quando animou, vous savez la surrente. Un jour, il y a ça parce que moi, vous verrez l'homme de Galilée. Où t'avons-nous le monde au Galiléa? Un jour, nous serons à nos yeux. Où t'avons-nous le monde au Galiléa? Dans le désert. Où nous irons? Où t'avons-nous le monde au Galiléa? Nous irons manger. Amen, amen, amen. Amen. Ce sera une fête. Et pourquoi Calamou? Vous savez, c'est la fête de combien de jours? Mais Calamou, ce n'est pas une fête de quelques jours. Aïda Calamou, ma soeur qui l'a. C'est la fête de 3 ans. Caramba, il y a bien qu'à ta tu n'as nous au ciel. Combine avec Dieu. L'amour, nous réjouissons. Tout à fouler, tout à couler. Tout à couler. Frère Alam sera là. Paul sera là. Paul sera là. Paul sera là. Irénée sera là. Nous serons avec tout à amen, amen, amen. Amen. Oh, bien-aimés frères et sœurs. Bien-aimés frères et sœurs. Pour reconnaître notre jour et notre destin. Aujourd'hui, Dieu cherche une épouse. Comme c'est à l'occasion des mariages. Dans le message aussi. Le message du temps de la foule. Cherche une épouse. Ce n'est plus l'appel de l'église. C'est l'appel. L'épouse qui est appelée. L'épouse doit sortir. Sortir des dénominations. Sortir des traditions. Amen, amen, amen. Amen. Voulez-vous entendre les prophètes? Amen. Je vais lire les prophètes. Amen. C'est lui la bouche de Dieu. Amen. Quand un prophète parle, c'est Dieu qui parle. Amen. 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 Dans le message, Dieu confirma sa parole. C'était un message du 16 août 1964. Frère Manam me dit. Il commence d'abord par dire ceci. Au paragraphe 236. Dans d'autres traditions, c'est 246. Rappelez-vous bien que celui qui parlait à Abraham et qui discerna les pensées de Sarah lorsqu'elle était dans la tente n'était pas Jésus. Là, il explique la scène de Genèse 18. Abraham était là. Ibrahim alikuwa hapo. Amen. Amen. Il avait vécu avec sa femme sans avoir des enfants. Ibrahim aliishi na mke wake bila kupata watoto. Il avait obéi à l'appel de Dieu. Yeye alitii kuile wito wa Mungu. Dieu l'avait appelé. Mungu alimuita dans Genèse 12. Mu mwanzo 12. Va-t'en de ton pays. Akamwambia toka muinchi yako. Toka patrie. Toka mukizazi kako. Dans la maison de ton père. Toka munyumba mama yako. Vers un pays. Wende muinchi fulani. Je vais te montrer. Kule mimi nitakuonesha. Abraham a obéi. Ibrahim alitii ile. Njoo akaenda. Et quand Dieu a trouvé qu'il était fidèle. Sasa wakati Mungu alisema mwaminifu. Dieu lui a donné un signe. Njoo ngakapata ishara. Signe de la circoncision. Amen. Amen. Cela typifie le Saint-Esprit. La circoncision de cœur. Quand nous croyons au message, nous arrivons nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. La finalité. Pour que Dieu ya Mungu accepte notre foi, akubali imani yetu, pour que nous sachions ya tuyue, que Dieu nous a agréé, ya Mungu il va nous donner un signe anapasha kutupatia ishara d'approbation, ya kukubaliwa, un signe qui prouve qu'il vous a approuvé, ishara yenye tonesha sababu Mungu anakuitika. C'est ça la circoncision de votre cœur. Il est kutahiriwa kwa moyo wako, Saint-Esprit, Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Alors Abraham avait reçu ce signe. Sasa Ibrahim alipata kile ishara. Il était circoncis. Il devait circoncire toute sa progéniture. Alors il avait eu beaucoup d'expérience avec Dieu. Sasa, alipataka maisha binafsi ya mingi na Mungu. Il avait vu Dieu alionaka Mungu plusieurs fois. Kwa maumbo ya mingi ya kuachana. Mais dans Genèse 18, sasa, mwanzo 18, il était assis. Yeye alikuwa mwenye kuikala. Sous les chaînes de membre. Alikuwa mwenye kuikala chini ya muchi. Il était assis. Alikuwa mwenye kuikala. Il voit trois. Njoo anaona bantu batatu. Trois hommes.
Bantu watoto na kwa kwaki. Des hommes comme vous. Bantu sawe na mi. Avec un corps. Bariko na mwili. Ils venaient. Biko na kuya. Ils sont arrivés. Bakafika. Abraham a regardé. Jo Ibrahim akangari. Avec son œil d'aigle. Na macho yake atari. A regardé. Akangaria mzuri. Akasema pas. Sochi. Aba. Ils ne sont pas comme tous les autres. Aba sa bantu bote. Je vois au milieu de. Mino na katikati yabo. Quelqu'un. Peko amu muntu. Quelqu'un. Peko amu muntu mwingine. Amen. Aba. Quand il a regardé. Wakati akangaria mzuri. Appelé Elohim. Tu as kaita seba Elohim. Mon Seigneur. Bwana wangu. Amen, amen, amen. 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 Il les a servis à manger. Jo akabapatia chakula. Il a lavé leurs pieds. Akabanawisha mikulu. Et ils ont mangé. Bakakuria. Ce qui montre que kile kunaonyesha sema je n'étais pas dans une théophanie. Mungu ashikaka mwili wa théophanie. Ce n'était pas un corps céleste. Alikuwa ke mwili wa kumbwa bana. Mais c'était un corps de chair. Lakini ilikuwa ni mwili ya mwanadamu. Un corps terrestre. Mwili ya padunia. Il pouvait manger. Ile ilipashaka kukulia. Amen. Quand Dieu vient sous la forme spirituelle, il ne mange pas. Wakati Mungu anakuwa muumbo ya kiroho hashukuri yake. La colonne de feu ne mange pas. Nguzo la moto haikuri yake. Amen. Mais quand Jésus marchait dans les rues de la Galilée, lakini wakati Yesu alitembea Mgalilaya, il le mangeait. Alikuwa anakulia. C'était un homme. Alikuwa muntu. Amen. Amen. Quand il est monté, wakati alipandaka, le jour de la Pentecôte, siku ya Pentecôte, il est descendu. Alishukaka. Vous croyez que c'était Jésus qui était? Kuna Yesu alishukaka alikuwa ni Yesu. C'était Jésus. Ni Yesu alishukaka. Akamwambia sema, il vous est avantageux. Ni ya bahati kwenu. Que je m'en aille. Niende. Si je ne m'en vais pas. Kama nishende. Le consolateur. Mufariji. Reviendra. Hata kuya. Il faut que moi je. Inapasha mimi. Amen. 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 Mais où est-ce que tu vas aller? Ça se connaît dans Wapi. Mais vous connaissez où je vais. Moi, je connais où je vais. Vous connaissez même le chemin. Je m'imagine, il pensait peut-être que c'est le chemin de vers 45 km. Niko na wazia, c'est bon, c'est pas ni njia ya 45 km. Le chemin de Lubumbashi. Et le cassis pour faire escale sur 45 km. Tu y a kufika pa 45 km. Ce n'est pas ce chemin. Apa na iko ile njia hivi anazoboonesha pa. Mais c'est quoi ton nom le chemin? Si tonesha njia yenyewe. Utonesha tu bala bala yenyewe. Moi même ici. Sasa mimi mwenyewe mnaona hapa njo njia. Ni njo njia. Je suis le chemin. Niko njia. Niko kweli na uzima. Mwenye kunyona mie anaona baba. Amen. Amen. Ah, Seigneur, montre-nous. Voilà, bon, on ne comprend plus. Si bien nous connaissons ma fille, qui est pas de ton père, qui est plus grand que toi, on ne sait pas ma mère, papa, on ne sait pas mouillard, c'est toi même le père, personnellement. Ouais, mon Dieu, papa, je suis ton billet. Philippe, montre-nous, c'est mal le père. Philippe, moi, mettez-moi, moi, je ne sais pas, papa. Mais y a-t-il longtemps? Donc, monsieur Philippe, je suis avec vous. Je suis avec vous. Je suis avec vous. Et tu me demandes, montre-nous le père. Qui sont les listes que tu connais chez Baba? Tu ne m'as pas vu, toi. Oui, à Union. À Union, c'est lui qui m'a vu. Je suis le père. Je suis le père. Je suis le père. Je suis le père. Amen. Amen. C'était la parole de l'âge rendu manifeste. Ilikuya ni sauti ya kizazi yenye kuonekanika. Quand vous voyez la parole accomplie dans votre âge. Kama unaona neno inatimia mukizazi kiako. Vous avez vu le père. Unaona baba. Amen. 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 Allô bien aimé frères et sœurs. Sasa wapendwa ndugu na wadada. Abraham. Ibrahim était là. Alikuwa pale. Il a vu ce jour. Akaona pale bantu. C'est dans Genèse 18. Ni mwanzo 18. Je voudrais gagner le temps comme ça parce que je donne les références, je me mets à lire ici, on va prendre beaucoup de temps. J'explique que je vais lire juste l'essentiel. Pas tout ce que j'ai prévu parce que je vois que le temps. Si ta soma yote ile militarisha kwa sababu wakati isha kwenda sana. Amen. Amen. Il fait chaud. Vous voulez que je lise? Amen. 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 Dans Genèse 18, allons-y alors. Mwanzo 18. Je ne dirai pas tout. Lakini Genèse 18 tusome kwanza Mwanzo 18. Comme nous avons des visiteurs. Sa ville est tourna bageni. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré. Wa milele akamonekani ya mchini ya mche Mamré. Comme il était assis à l'entrée de sa tente. Sa ville alikuwa pone kuikala kwa Mwanzo ya hema yake. Et voici 300. Étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au devant d'eux. Depuis l'entrée de sa tente. Il se prosterna à terre. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas. Ne passe point. Ne passe point. Je t'ai pris. Ne passe point loin de ton serviteur.
permettez qu'on apprête un peu d'eau pour vous laver les pieds. Et reposez-vous sur cette table. Je reprendrai morceau de pain. Vous fortifiez votre cœur. Vous continuerez votre pain. Vous fortifiez votre cœur. 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 Vous fortifiez votre Anasema wamilele alimuonekania. Quand le Dieu lui apparaît, wakati mlele alimuonekania, lui voit trois hommes. Yeye aliona bantu batano. Parmi lesquels, katikati yabo, wamilele alikuwa katikati. C'est pourquoi cette déclaration du prophète, I musemo ya nabii, dit celui qui était apparu à Abraham. Anasema ule mwenyewe alionekaniaka Ibrahimu, qui après avoir mangé, kisha kulia, a demandé à Abraham. Njoo akamuliza Ibrahimu, où est Sarah ta femme? Sasa Sarah bibi yako yuko wapi? Elle est sous la tente. Anasema yuko ndani ya hema. Et il a dit ce. Njo akafafadua. Il a dit akasema hivi. Je te visiterai. Amen. Je te visiterai. Mimi nitakuwa kukufariji. Et ta femme aura un enfant. Na bibi yako atapata mtoto. Sarah dans la tente a ri. Sarah kuhema kule alikuwa akacheka. Dans son cœur. Ndani ya roho yake. Demandé, akasema moi il est vieille. Mimi huyu mzee hivi. Une femme avec tout ce elle avait déjà plus de 65 ans. Nisha kupata miaka karibu wala kushindia 65. Et comment elle dit que j'aurai un enfant? Ina muna kali umuntu kona seba mita pata mutoto. Lari. Njo akacheka. Mais l'Éternel. Sasa wa milele. A discerné. Arifafa nuo ile ya kile tourné de nous à la tente. Na asiko na bangaria alikuwa na ngalia. Alors c'est lui qui discernait. Sasa ule alikuwa na fafanua. N'était pas Jésus. Ashiku yake Yesu. Parce que Jésus n'était pas. Kwa sababu Yesu yeye alikuwa kasi azalikwa. Mais c'était un homme. Lakini alikuwa ka muntu. Je dans la chair. Mungu ndani ya mwili. Et Luc 17, 30 dit ce qui était arrivé en ce temps-là arrivera pareillement. Amen. Au jour du Fils de l'homme, quand le Fils de l'homme va se réveiller, aujourd'hui, l'Éternel va encore se révéler dans la chair humaine. Une chair qui n'est pas celle de Jésus. Mais une chair humaine, un homme qui peut manger, qui peut marcher, mais un homme en qui Dieu a tabernaclé. Cela est arrivé aujourd'hui. C'est ce message. Cet homme-là est venu, il était porteur d'un message. Il est venu aujourd'hui. Un message qui est venu du ciel. C'est l'Éternel lui-même. Amen. Amen. Quand il fut demandé au ciel, le livre était dans les mains du propriétaire original. Le livre de la rédemption. Frère Abraham dit c'est la Bible. C'est la Bible. C'est le livre de la rédemption. Dans ce livre, il y a les noms des rachetés. Les élus de Dieu sont là. Quand nous lisons la Bible, un enfant de Dieu, un Muteule, quand tu amènes, il entend son nom. On l'appelle son nom, c'est sa nature, c'est sa vie. Il dit c'est vrai, c'est vrai. Vous savez bien les méfaits de ça. En venant dans le monde, nous avons contourné la théophanie. Et nous avons oublié tout ce que nous étions. C'est comme un petit enfant. Vous avez votre enfant. Vous les nommez. Amen. Vous allez commencer à l'appeler William. C'est un bébé. Yeye ni mtoto. Son nom c'est William. Jinake ni William. Son nom c'est William. Jinake ni William. Le bébé là, il joue. Mtoto kopele. Il ne connaît pas que son nom c'est William. Asiyo asema jinake ni William. Il ne connaît pas. Asiyo we. Mais chaque fois que vous l'appelez. Mais quel est le William? William. Je ne sais pas. William. 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 Ce nom ici, ça serait pas. Chukuma to sema. Jinake. William. Chukuna sema William. Finalement William. William. C'est oui. William. William, hein? Finalement, Kumwisho, il a pris conscience. Anayu ase William, hein? Oui, William, c'est son nom. Alléluia! Amen! C'est comme ça, vous aussi. Tu as fait la chine. Ça, je sors. Où tu n'as pas la chine. Ça sort. Tu es indifférent. Ça sort. Ça sort. Ça sort. Tu es en train de dire. C'est moi. C'est qui c'est moi qui suis amené. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Concerné. C'est moi. Amen. 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 Nos noms sont là. Mangina yé du koumou.
Dans ce livre de la rédemption, il y a le titre de propriété incontestable. Ce qui nous donne l'autorité. Amen. 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 Quand Dieu a placé Adam sur la terre, il avait l'autorité. Amen. Il avait le pouvoir. Amen. Il commandait. Amen. Tous les animaux manyama yo se soumettaient à Adam. Il ordonnait à la nature. La nature lui obéissait. Mais la kine, il a perdu ce pouvoir à cause du péché. Mais la kine, Jésus, Yesu, notre parent rédempteur, est venu payer le prix pour nous racheter et nous ramener à ce qui était Adam. C'est pourquoi il faut accepter le Seigneur Jésus. C'est lui notre parent rédempteur. Il a payé le prix pour que nous puissions retourner dans notre héritage. Amen. 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 On doit, Dieu nous a restitué le titre de propriété. Vous avez une parcelle de l'église. Peut-être que vous avez des documents. Un imposteur peut venir ici. Il commence à construire, prend une partie. Ce n'est pas sa parcelle. Vous allez à la justice, tout ça. On voit. Allez. Mur de la c'est mur de tabernacle. Mur de l'alimentation. On voit, non? Ça va pas, tout ça c'est votre possession. Mais toi, où sont les documents? Où est ça, mon candidat quoi? Ah non, mais moi j'ai vu que c'est une partie, je voulais me l'occuper. Non, toi c'est ma part, ni une, ni une, ni une, ni une. Comme tu n'as pas de ça ville à une dans mes cannes. Allez, tu dois aller. Toka, on doit l'obliger à quitter. Bah ta maman c'est ma toka. Et à vous restaurer dans votre droit. Na pas na numéro dix à moi mon hâte. Pourquoi? Tu y as ni ni. Vous avez le titre de. Quoi ça va? Vous pouvez pas na carter si à mon mal. Et nous aussi. Na chier. Le titre de propriété. Carter si à mon mal. C'est le Saint-Esprit. Les gens vous attaquent faux. Amen. 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 Là-dedans, il y a tout le plan de la rédemption. Mon compagnon, dans ce type. Alors quand on a demandé qui est digne, ça, personne ne fut trouvé. Ni au ciel, ni sur la terre, ni sur la terre, ni sur la terre, ni sur la terre. Jean commence à pleurer. Jean me représente. Il représente les croyants. Il représente les croyants. Il a pleuré. L'aide des anciens dit. Ça, ça mange à oiseau comme bien. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Le lion de la tribu de Juda. A prévalu. Il est vaincu. Il est digne de prendre le lion. Il a brisé. Il a confondu à Miouri. Amen. Amen. C'est lui qui a brisé. Miye est dans le fond de Miouri. Miye. C'est l'agneau de Dieu. Quand il était sur la terre, un jour, on le voit aller. Des gens le suivent. Il va. Il arrive au Jourdain. Jean-Baptiste était dans le Jourdain. Il est baptisé. Il dit, ah, il regarde. Je vois ici. Non, le Richard. Je ne suis pas digne de toucher. Non. Il dit, laisse faire. Nous devons accomplir toutes. Il est convenable que nous accomplissions toute justice. Je suis un sacrifice. On doit me laver. Avant que je sois offert. Amen. Amen. Il était l'agneau de Dieu. Qui ôte le péché du monde. Dans l'Ancien Testament. Avant d'offrir le sacrifice. On le lave. Il était l'agneau parfait. Qui était offert. En sacrifice. Pour le pardon de nos péchés. Tout le monde devait le laver. Amen. Amen. C'était un homme. Il y a quoi, Mounto? L'agneau de Dieu qui est le bébé. On l'a appelé l'agneau de Dieu. Quand il est monté, il est sur le trône. Le trône de son père. Le même Jésus. Amen. Amen. Il a laissé son corps sur le trône. Il est descendu le jour de la Pentecôte. Il a rempli ses disciples. Akajaza wanafunzi wake. C'était le mariage. Il kwaka ni ndoa. Amen. 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 Paul n'était pas là. Paulo siku yake eko. Et puis, kisha,
Paul, Paulo sas. Comme il allait persécuter l'église. Sadla lazo kuté so wa minifu wala kanisa. Il a rencontré Jo akakutana la lumière. Akakutana na nuru. La colonne de feu. Akakutana na nguzo la moto. Une grande lumière. Nuru kubwa. Qui l'a terrassé. Ikamupika chini. Il a entendu une voix. Alishikaka sauti. Saul, Saul. Saulo, Saulo. Ukuna ni deso tu ya nini? Jo akangalia hivi. Une lumière. Ya anaona nuru. Qui es-tu? Sasa anasema wako nani bwana? Je suis qui? Alimwambia kasema niko nani? Je suis la colonne de feu. Alimwambia mimi niko nguzo la moto. No? Hapa? La colonne de feu c'est pas le nom. Nguzo la moto haina mtu wala haina jina. Il a donné son nom. Alipeleka kaka jina yake. Hallelujah. Ni zako wako nani? Jesus. Asema mimi niko Yesu. Amen. Amen. Mais je n'étais pas un corps. Aikuwa ke mwili hapa? Il n'était pas un corps physique. Aikuwa ke mwili akonekanika. C'était la colonne de feu. Ni kaka nguzo la moto. C'était Jésus. Ni kaka ni yeye. Aujourd'hui. Asema wewe. Tunaona colonne de feu. Nguzo la moto. C'est un signe. Un dernier signe. Quand Abraham a vu ça, c'était le dernier signe. Après, c'était le fils promis qui était venu. C'est cela la seconde venue. Il est de couler comme dans la paix. Alléluia. 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 Oh. Est-ce que vous aimez le Seigneur? Mon appel à Bwana. Amen. Du coup, Bwana me laisse ma vie. Dans la parole parlée de la semence originelle. Mon neno ne connaît pas Dieu, mais qu'il y a comme un zo. Prêché le 18 mars 1962. 18 mars 1962. Paragraphe 28. Qui pinde au coubille là. Il dit. Il y a toujours eu ce nombre 3. Tout le temps. Je aime le nombre 3. Je confie en 3. Il y a 3 venus de Christ. Il est venu une fois pour racheter son état. Il vient la fois suivante à l'enlèvement. Il revient la troisième fois dans les millénaires avec son époux. Amen. On parle de ces venus. C'est par rapport au corps physique de Jésus. Jésus de Galilée. Jésus de Marie. Jésus avec son corps là. La première fois, il est venu pour acheter. Il est mort. Il est répandu dans son sang. La deuxième fois, le même Jésus est dans les airs. Et nous rencontrons tout à coup. Amen. 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 Si quelqu'un dit aujourd'hui que la colonne de feu qui est venue, c'est une venue. C'est qu'à la Pentecôte, c'était une venue. Chez Abraham, c'était une venue. Nous avons combien de venues? Amen. 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 Il y a trois venues de ce corps-là. Ce corps sacrifice. Il est mouillé, Zabiou. Amen. Amen. Mais quand il vient spirituellement, ce n'est pas compté dans ses venues. Ce n'est pas physique. On peut même dire qu'il est venu spirituellement. C'est la venue de la colonne de feu. C'est le retour de la colonne de feu. C'est la descente de la colonne de feu. Mais Jésus, de Nazareth. Jésus de Marie. Jésus de Marie.
pour le moment. Tu es un peu trop la semaine dernière. Et comme tu as dit, quand frère Branham est allé dans la sixième dimanche, il a dit je veux voir. Je ne peux pas le faire. Il a demandé à ce moment là. Il cherchait quel Jésus. Parce que dans sa vie, il a vécu des expériences avec Jésus. Il a vécu des expériences avec Jésus. Il a vu en vision. Mais quand il est allé là-bas, il a cherché à le voir. Voir quel Jésus. Le corps physique. Oui, l'amour. Sur le trône. Ce n'est pas maintenant. Toi, tu vas rentrer. Quand il viendra, il viendra d'abord. Amen. 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 Alléluia. Amen. Dans le quatrième sous. Ça, ça mourit, Waïne. Au paragraphe 210. Il pinde qui a mis un bille la commis. Il dit. La première venue de Christ. Alors c'est ma couche à quoi ça va Christ. En tant que mortel. Ça va vivre le monde ou à coup fort. Il vient trois fois. Et qu'on a pris un malatatu. Christ est en toi. Christ, du moins le quoi malatatu. Amen. Amen. À sa première venue. Mukuya kwa kwanza. Il est venu en tant que mortel. Alikuwa safari wa mtu akufua. Si yeye kumwanga damu yake na kufua. Est-ce que la colonne de fer le sang? Nguzo la moto ndio kana damu. C'est spirituel. Ni ya kiroho. C'est spirituel. Biko ya kiroho. Jésus devait verser un sang chimique. Yesu alipasa kumwanga damu ya kuonekana ya mwekunda. Amen. Amen. Il est venu la deuxième fois. Akakuya kwa mara ya pili. C'est l'enlèvement. Nous Amen. 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 Immortel. Et à sa troisième venue, il est le Dieu incarné. Dieu Emmanuel. Emmanuel. Pour régner sur la terre. C'est trois seulement. Alors je donne aussi une troisième déclaration. Ça, je montre seulement que Jésus vient trois fois. Ce corps-là. Quand il est dans la chair humaine, il était chez Abraham. On n'a pas appelé ça la première fois. Sema likuwa kwa mala ya kwanza. Lakini likuwa kani Elohim. Mumwili ya muntu. Amen. A la Pentecoste. Ku Pentecoste. Il est descendu. Alishukaka. Il est entré dans 120. Alingiaka mubantu mumaimaikalu. Mia moja makumibili. Amen. 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 Kwa pele sa hivi. Ama kuiteke sema likuwa. Frère Branham. Nduku Branham. Kani lene. Wakata la likuwaka. Kuzo na moto lishukaka. Retela. Amen. Amen. Il a eu beaucoup d'expérience. Quand il est allé au Mont Saint-Saint, à Tucson, quand on a pris cette coupe, c'est une venue spirituelle. Amen. Amen. La colonne de feu. C'est qui là-bas? Il dit que c'est. C'est qui? C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus qui nous a visités. Nous devons reconnaître notre jour et notre message. Jésus un jour. Jésus va commencer à pleurer. Il pleurait. Pourquoi il pleurait? Jérusalem. Si tu pouvais reconnaître. Le jour où tu as été visité. Amen, amen, amen. Amen. Il faut reconnaître votre Jésus. Dans ce jour, Jésus devait venir sur la terre. Non pas dans son corps. Mais dans notre corps. Amen. 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 C'est une venue aussi. Nikuye na kote na. Mais ce n'est pas parmi les trois. Lakini haina katika tele sa une venue. Lakini nikuye na kote. Il dit Jésus vient trois fois. Anasema Yesu anakuja mara tatu. Dans le message un paradoxe. Mujumbe mshangao. Amen. Amen. Du 18 avril 1964. 18 avril 1964. Paragraphe 10. Jésus vient trois fois. Yesu anakuja mara tatu. Une fois. Mara moja. Il est venu pour racheter sa femme. Alikuja Kongo. Une fois suivante. Kila mara il vient pour l'amener. Anakuja tu kumchukua. Et la fois suivante. Na kisha kuja tena. Il revient avec elle. Atakuja pamoja naye. Trois venues. Kuja mara tatu. Tout est comme Père, Fils et Saint-Esprit. Yote nafanana sawa vile Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Tout va par toi. Yote kunakoka tu mungu. La mathématique de la Bible est parfaite. Enjoy sawa
Biblia iko kamilifu. Amen. 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 Il dit, si vous suivez correctement ces mathématiques, vous pouvez garder votre histoire dans l'ordre. Mais si vous sortez de ces mathématiques, vous aurez dans votre tableau une vache qui broute au sommet d'un arbre. Cela ne va pas paraître juste. Restez dans les mathématiques de Dieu. Amen. Est-ce que vous voulez rester dans les mathématiques de Dieu? Oh, bien-aimés frères et sœurs. Bien-aimés frères et sœurs. Il est en train de faire chaud. Mais suivez un peu. Est-ce que vous aimez ces choses? Ah, c'est le message. Il faut reconnaître votre jour. Et votre message. Amen. Amen. Dans le message. Un véritable signe. Ishara ya kwe perdu de vue yenye bantu abayone kumancho. On a aussi traduit un véritable signe bali geuzo tena qui est oublié banasema ishara ya kwe yenye bantu banasaulika passé inaperçu wale napita bantu bila kuyua. Amen. Du 12 novembre 1961, j'ai lu au paragraphe 180. Frère Branham pose la question. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Il dit ceci. Le dernier livre dans la Bible. La révélation. C'est ça, Apocalypse, ça veut dire révélation. La révélation. Nous montre qu'il y aura un retour de lui dans les derniers jours à l'église des gens. C'est ainsi. Comme les gens le manquent. Il manque ceci. Le retour de lui. Le retour de Jésus. À l'église des gens. Les gens manquent ceci. Il a prophétisé. De venir de nouveau. Juste avant. La grande seconde venue. Avant la grande seconde venue du Seigneur. Jésus doit d'abord. Et dans Révélation, au troisième chapitre, il est dit qu'il sera ici dans les derniers jours, qu'il même remplacera l'infraction pour les gens avec un petit troupeau que Dieu lui donnera. Il viendra dans les derniers jours. Je l'ai dit. Il sera ainsi à cette nation des gens que son temps est terminé. L'Apocalypse dit, un ange puissant. Je viens un autre ange puissant. Enveloppé d'huile. Quand il a mis son pied, son doigt sur la mer, il a levé la main. Il a dit qu'il n'y aurait plus. Quand nous voyons ça, c'est le signe que le temps est. Apocalypse 10 s'est accompli. Il est sorti mis à parler. Cette nuée-là. C'est ça, Apocalypse 10. Amen. Il y avait une attraction.
kulikuwaka uvuto wale kutoto alumbira ata ujumi moja hii ni uvuto kanyeni nafanika kumulima ni mambo kanyeni nafanika kumulima kipindi miya moja makumine na nana anasema ni mambo kanyeni nafanika kumulima ni Mungu alumbira ata ujumi moja c'est la raison de tous ces bruits njo mambo ya ima kanyeni nafanika kumulima je n'entends pas de bruits mishu ya pa makanyeni hapo C'est Dieu qui accomplit de nouveau sa parole promise d'Apocalypse 10, 1 à 7. Ni Mungu kutimiza neno lake, mufunuo moja hadi kumi. Amen. Amen. Et qu'au jour de la proclamation du message du septième ange, ah, c'est ma kusiku. Ya kupaza kwa sababu ni kwa sababu. Masiri ya Mungu itamalizika. Le mystère caché. Masiri zote za Mungu ni kufichwa. Ya mufunuo moja hadi saba. Le dernier message. Ishara ya ujumbe ya mwisho. Le dernier message au dernier âge de l'église. Ujumbe ya mwisho ya kizazi cha mwisho cha kanisa. C'est ce qui accompli. Ndio ile tatimiza. Exactement. Hakika kabisa. En cet âge. Mwiki kizazi. Nek du 7:30. Luka 17 makumi Hii munaona Ndjo ina timiza Mwiki kizazi Luka 17:30 Mule bali adia sema Dieu dans la chair Mungu mwili ya mwanadamu Ba Jésus Apana Yesu wa mwili Pas le corps de Marie Apana ile yule yule Yesu wa kwa Maria pa Dans la chair Lakini ndani ya mwili ya mwanadamu Amen 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 Une autre déclaration. Les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Mambo ya sasa ni kutukia yelekonekanika kupitia sauti ya nabii. Le 6 décembre 1965. 6 décembre 1965. 233. Transforma 2023. Yesu. Quand il est venu. Wakati alikuyaka. Il devait être un prophète. Alipaswa kuwa nabii. C'est vrai. Hakika. Et aujourd'hui. Na leo hii. Avant que Jésus revienne. Kabla ya Yesu kurudia. La pleine manifestation de la personne de Jésus-Christ. Konekanika kabisa kwa huyu mtu Yesu. Doit être manifesté dans la chair. On a pas ça qu'on est allé comme lui dit. Avant le retour de Table, la pleine manifestation. Qu'on perdu de vue. Amen, amen. C'est pourquoi je disais dans ce message, Dieu confirma sa parole. Vous avez commencé à lire déjà. Au paragraphe 246. Dans notre tradition, c'est 236. Kwa kile ni 2 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 ││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 
Reconnaissez votre jour de votre message. Il n'y a plus de temps. Nous avons eu le dernier signe. Je suis dans la chair humaine. Amen. Jésus sous forme de la colonne de feu. Qui est tabernaclé. Moyen du Christ dévoilé. Amen. Recevoir cela. C'est dans la véritable expiation. Vos péchés sont pardonnés. C'est la preuve que Dieu avait payé le prix pour vos péchés. Il est en train de vous dire que Dieu vous a donné. C'est la révélation que Dieu qui la donne. C'est pas moi qui vous donne la révélation. Je parle. Je vous chuchote. La qui le monde a fait pour le chuchote. Amen. Moi, Jésus avait demandé. Qui dit-on de moi? Oh, les uns disent que tu es Jérémie. Les autres Jean-Baptiste. Les autres Alors, si tu as cette révélation, ça, comme la pâte est fou, c'est que amen, le prix que Jésus avait payé, il payé son impact, c'était pour vous. Il doit être pour Jacob. Parce qu'il n'y a que les élus qui croiront. Il pas comme les élus qui peuvent recevoir ça. Il peut pas comme les élus qui peuvent. C'est la viande fraîche. Ce sont des os. Il ne faut pas. Peut-être que tu n'as jamais entendu cela. Mais quelque chose en toi te dit c'est vrai. Il ne faut pas. La place est apparue. Ton nom est là. Alors il dit ceci. Anasema. Il dit. Anasema. Il dit. Anasema. Maintenant. Il ne s'agit plus d'une église. C'est l'épouse qui est appelée maintenant. En ces jours, le Fils de l'homme sera révélé. Quand le Fils de l'homme s'est révélé aujourd'hui, c'est pourquoi c'est pour unir l'église à la terre. C'est le mariage de l'épouse. L'appel de l'épouse retentira. Il viendra dans la chair. Pour unir les deux ensemble. L'église doit être la parole. Il est la parole. Les deux s'uniront. Et pour réaliser cela, la manifestation du Fils de l'homme doit se manifester. Ce n'est pas un pasteur qui va manifester. Comprenez-vous ce que je veux dire? Est-ce que comprenez-vous ce que je veux dire? Le Fils de l'homme, Jésus-Christ, descendra dans la chair humaine parmi nous et rendra sa parole si réelle et l'unira l'Église à lui-même. Afin qu'il ne sera plus qu'un avec l'épouse. Et elle pourra aller à la maison. À ce moment-là, l'épouse est déjà unie. Nous allons au souper. Non pas au mariage. Par l'enlèvement s'accomplit cette parole. Car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est mariée. L'enlèvement sera le souper des noces. La parole s'unira avec les personnes qui ne seront plus qu'un. Que se passe-t-il? Le Fils de l'homme est de nouveau manifesté. Non pas des théologiens, mais le Fils de l'homme. La parole et l'Église deviennent un. Quoi que fait le Fils de l'homme, lui qui était la parole, l'Église fait comme lui. Amen. C'est ça l'appel. Amen.
Kito ya leo. C'est ça le message aujourd'hui. Oh, bien-aimés frères et sœurs. Hey, wapendo, il n'y a plus de temps. Hakuna tena wakati. C'est un appel de miséricorde. Ini wito ya rehema. Dieu va bientôt détruire ce monde. Hapa tunasema Mungu atarudisha hii dunia. Amen. Avant la décision de ce. Sasa kabla kuharibu hii dunia, il s'unit avec des individus. Eko naungana kwa na bantu. Il enlève son épouse. Atanyanyua kwa bibi harusi wake. Kisha kuharibu anarudisha hii dunia. Il rentre avec son épouse. Atakuja bibi harusi wake. Dieu va kata na miaka 1000. Amen. Bien-aimés frères et sœurs. Qui veut répondre à cet appel? Ni nani anapenda kujika na yeye hiyo wito ya rehema. Cet appel. Hii wito. Cet avertissement. Hii sopesho. Qui veut accepter? Ni nani anapenda kujika na yeye Bwana Yesu. Comme son Seigneur. Sa vile Bwana na mkozi wake personnel. Ma mkozi wake yeye mwenyewe. Et puis notaire. Tunamisha chibo te vichwa chini. Chibo te tunamisha vichwa chini. Oh mes bien-aimés frères. Hey, wapendwa ndugu na wadada. J'ai parlé comme je l'ai fait. C'est un message évangélique. Pour que l'on sache que Dieu a visité la terre. Dieu a visité les nations. Dieu a signé perdu de vue. Les gens ont oublié ceci. Mais c'est un signe véritable. Le dernier signe. Avant que l'enlèvement ait lieu. Kabla unyakuwa kutendeka. Avant que ce monde soit détruit, c'est un dernier appel. Qui n'a jamais donné sa vie à Dieu? Qui fait à cette occasion accepter le Seigneur Jésus Christ comme son Seigneur et sauveur personnel, pour être marié à Christ, pour être élevé avec Christ? Qui est là? Si vous êtes là, levez votre main. Si vous croyez que c'est la vérité qui a été prêchée, c'est la vérité. Même si vous êtes dehors, partout où vous êtes, si vous avez donné votre vie à Christ, si vous avez reconnu que nous sommes au temps de la fin, et aujourd'hui, Dieu a visité les nations. Dieu a envoyé un puissant message. Dieu s'est dévoilé. Il a habité dans la chair humaine. Il s'est dévoilé. Si vous voulez le suivre, abandonnez le monde pour le suivre. Levez votre main. Si vous êtes là, levez la main. Si vous êtes là, levez la main. Il y a quelqu'un qui a... Ok, levez bien la main. Levez bien la main. Il faut bien lever la main. Même dehors là-bas, là où vous êtes, si vous n'avez jamais donné la votre vie à Christ, levez votre main. Je vais prier pour vous. Que Dieu te bénisse, mon frère. Où est-ce que vous êtes, vous autres? Vous pouvez avancer sur vous. Y a-t-il encore quelqu'un là-bas? Pourquoi vous me dites de couler? Avancez. Mon calibre est dit. On peut se prier pour vous. Mon calibre est dit. On n'avait jamais choisi le Seigneur. Avancez, ma sœur. Mon calibre est dans l'air. Vous levez la main. Levez les bras. N'ayez pas honte. Quand vous allez chercher pourquoi vous n'avez pas d'âge, vous êtes bouillé. Venez. Bouillé. Oh,
Nous allons prier. Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, nous bénissons grandement ton Saint-Nom pour cette âme qui a accepté cette vérité qui lui a été présentée ce jour. Seigneur Jésus, c'est toi qui connaissais bien ce jour. Tu savais qu'en ce jour, cette seule âme venait de me répondre à l'appel. Je te prie pour elle, ô Dieu. C'est une très grande décision que ton fils vient de prendre. Je te prie, ô Dieu, de l'assister, de la fermer. Seigneur, de te révéler davantage à lui-même. Délivre-le, Seigneur Jésus, des choses de ce monde, des traditions de ce monde. Seigneur, sois réel dans sa vie, Père. Que l'œuvre du calvaire, que le bénéfice de l'œuvre du calvaire puisse, Dieu Tout-Puissant, se manifester dans sa vie. C'est là qu'une fois pour toutes, je vais régler la question des péchés et des maladies. S'il était malade, Père, je te prie au Dieu de le guérir, de le délivrer. Traite avec son âme, Seigneur. Pardonne ses péchés, ô Dieu. Il est venu à toi, Seigneur. Toi qui l'as appelé, daigne, ô Dieu, tout ça t'occuper de lui, Seigneur. Je te le recommande pour ta gloire et pour ton royaume. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, bénis cette parole dans nos âmes, dans les âmes, ô Dieu, qui l'ont reçue. Notre Père Tout-Puissant, Seigneur, ils ont peut-être, ô Dieu, hésité. Ils n'ont pas pu ouvrir leur cœur. Ô Dieu Tout-Puissant, à toi. Et je crois que tu continues à frapper. Les jours qui viendront, ils pourront peut-être être convaincus et venir donner leur vie à Christ. Je te prie pour eux, Seigneur, que ta parole puisse porter des fruits dans nos âmes. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Seigneur Jésus, aide-moi, aide mes frères et mes sœurs à ne jamais faire de compromis avec ta parole. Seigneur Jésus, pardonne nos insuffisances, que nous soyons ramenés à notre héritage. Nous voulons être des croyants vertueux, obéissants, des croyants pleins de foi. Et je crois que tu as exaucé cette prière, car nous l'avons demandé dans le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms, dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Alors, quelle argile dans la main du potier.